Et salut à tous, c'est Chris Boy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les potes, la promotion tombe sous Twitter, donc n'hésitez pas à liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Et sur ce les potes, let's go. Dans le casino, nous avons la vapide Dominator GTT. Ensuite, dans l'ensemble auto LS, nous avons la magnifique Lampadati Casco. Pour le débloquer, c'est très simple, vous devez faire une épreuve du LS Car Meet. Vous devez tout simplement gagner 3 courses pour pouvoir débloquer cette voiture. Pour cette semaine, c'est la boîte de nuit qui est totalement mise à l'honneur, donc profitez-en. Donc tout d'abord, en double RP et double GTA, nous avons les missions de vente de la boîte de nuit, donc profitez-en. Et nous avons le coffre-fort de la boîte de nuit qui est doublé cette semaine. Nous avons les demandes de caisse qui est d'appeler Johan, qui est totalement doublé cette semaine, donc profitez-en. En mode rivalité, nous avons Tiny Racer qui est double RP et double dollar cette semaine. Ensuite, nous avons les activités de la communauté qui est triple RP et triple dollar cette semaine. Ensuite, nous avons l'émission de contact de 6 millions qui est double GTA et quadruple RP, donc profitez-en. Pour le business de la casse, nous avons le vol de cargo ship qui est de voler la Meibatsu Penumbra et qui est gratuit cette semaine. Donc il suffit de faire la mission de vol de cargo ship et de voler la Penumbra et ensuite vous pouvez le récupérer gratuitement. Donc vous allez payer environ 20 000 $, mais ça reste un véhicule gratuit. Ensuite, nous avons le vol de Dugan qui est de voler la Pegasus Zantorno. Ensuite, nous avons le vol de podium qui est de voler la Karine Prévion. Pour le défi de hebdomadaire, vous devez tout simplement réaliser 5 missions de gestion de boîte de nuit pour pouvoir débloquer un bonus de 100 000 $ et débloquer un t-shirt. En promotion, nous avons les boissons de la boîte de nuit qui est gratuit cette semaine, donc profitez-en. À moins de 40%, nous avons la Mammoth Patriot Stretch, le bus de festival, la Shinobi et la cheval Taipan. À moins de 30% dans Miss Bank Foreclosure, nous avons toutes les business de boîte de nuit plus modifications, donc profitez-en. La Grotti Stinger GT qui est disponible dans le balai d'essai du salon auto LS, la Debushi Rapide GT Classique qui est disponible dans le concessionnaire de Siméon. Et à moins de 60% dans le Gun Van, nous avons la machette, donc profitez-en. Donc pour cette semaine, c'est la boîte de nuit qui est totalement mise à l'honneur. Donc c'est l'un des business qui est très rentable. Ensuite, augmenter la popularité pour que le coffre-fort rapporte beaucoup d'argent, car c'est doublé cette semaine. Et ensuite, faire des guerres commerciales pour pouvoir faire les missions de vente de la boîte de nuit, car les missions de vente de la boîte de nuit est doublée cette semaine. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à liker, de vous abonner et d'activer la cloche. C'était Chris Boy Gaming et moi je vous dis à tout à l'heure et ciao ciao.